Cette petite chatte est allée à 157 km au-dessus de la surface terrestre. Ce n'est plus Félix, nous l'avons baptisé Félicette, mais naturellement en souvenir du chat aux aventures extraordinaires. Elle est la première chatte astronaute du monde. Pendant des mois d'entraînement avec ses compagnes, elle a captivé l'attention des savants du Centre d'enseignement et recherche de médecine aérospatiale, qui sous l'égide du Centre national d'études spatiales ont entrepris d'étudier ses réactions pendant un parcours en fusée. Docteur, à quelle expérience vous livrez-vous maintenant sur cette petite chatte? Actuellement, nous examinons l'activité électrique spontanée du cerveau du chat sous la forme de son électroencéphalogramme. Vous voulez voir si c'est un chat intelligent ou quoi? Ce n'est pas exactement son intelligence que nous regardons, mais son activité électrique, surtout dans un but plus lointain, un but de comparaison avec les modifications éventuelles qui pourraient se poser lors du vol en fusée. Mais en somme, c'est ça le fond de votre expérience, c'est d'arriver à savoir si l'apesanteur, par exemple, a une action sur la transmission des ondes électriques dans le cerveau? Exactement. Comment est-ce qu'on arrive à avoir ces émissions? Nous recueillons l'activité donc, du cerveau du chat au moyen de trois électrodes, dans le cas particulier, et cette activité est ensuite amplifiée pour être vue et examinée sur l'oscillographe cathodique. Ces électrodes sont formées de deux conducteurs métalliques, l'un à l'intérieur de l'autre, respectivement isolés, pour permettre de mesurer avec précision les différences de potentiel entre deux groupes de cellules du cerveau. Une petite boîte de connexion assurera les contacts sensibles. Ces électrodes sont placées dans deux endroits différents. D'une part, sur la convexité du cerveau, en regard de l'aire de projection sensorielle spécifique, ici. Et d'autre part, en regard d'autres aires de projection non spécifiques, cette fois, ici, au niveau du gyrus supracitvien, ici, à la partie basale du cerveau, au niveau de l'hippocampe, et au niveau de la formation réticulée mésencéphalique du tronc cérébral. Mais le chat, comment et à quoi répond-il? Mais le chat répond à de très légères impulsions électriques qui lui sont délivrées tout au long du vol. Voici par exemple ici une impulsion électrique et voici ici ce signal très particulier, très rapide qui matérialise l'arrivée de cette impulsion électrique au niveau de l'aire de projection spécifique. C'est ce qu'on appelle le potentiel évoqué. Toutes les chattes, il y en avait 14 d'entraînées, si l'on compte parmi elles un chat spécialement opéré, eurent à subir un entraînement sérieux. 1 à 2 heures de boîte par jour pendant une quinzaine de jours. Dans une cabine spéciale, on habitue l'animal à connaître les bruits dont il sera entouré dans la fusée. On l'habitue également à tourner dans sa boîte exactement à la même vitesse que la vitesse de rotation de Véronique sur elle-même. Mais la boîte, simple modèle d'entraînement, sera changée. On apprendra maintenant à prendre place dans le berceau, le vrai, celui du vaisseau spatial. L'entraînement est exactement le même que celui d'un astronaute humain. On place également Félicette dans une centrifugeuse, mais il ne s'agit que d'un exercice de contrôle destiné à vérifier la capacité d'équilibre du chat déjà très favorisé de ce côté-là. 5 à 6 séances de 5 minutes, au cours desquelles l'accélération de la pesanteur ne dépasse pas 5 unités. On y vérifie également le bon comportement des électrodes. L'avant-veille du tir, 6 des 14 chattes ont été finalement sélectionnées pour leur calme. Mais jusqu'à la veille du tir prévu à Amaguir, on vérifiera encore l'état de chaque animal pour être assuré de choisir celui qui est dans la meilleure forme. Et voici la veille du jour J. C'est à la fusée Véronique que vont tous les soins. Il s'agit d'un véhicule emportant à une distance de 180 à 200 km une charge utile de 60 kg. La vitesse de Véronique varie entre Mach 5 et 6, soit 5 à 6 fois la vitesse du son. Elle mesure 7,30 m de long. Il faut la placer sous un portique où elle restera dressée pour y recevoir sa précieuse pointe. Cette pointe qui contient les 2,5 kg de Félicette et les 57 kg d'instruments de mesure et de radio, répondeur radar, balise goniométrique pour son repérage en l'air et balise de repérage au sol. Ces documents nous ont été aimablement communiqués par le CERMA. Ils sont exclusifs.
12 chattes avaient été éliminées, il en restait 2 en compétition et finalement, c'est Félix 7, numéro C341, qui est retenu. Trente minutes avant le tir, on procède encore à l'étude du comportement électrique du cerveau de la chatte. Tout est en ordre. C'est le tir d'une fusée Véronique emportant une petite chatte nommée Félice. 2 minutes, 100 km. L'expérience en l'air confirme celle du sol. L'animal est parfaitement calme. On envoie, comme au laboratoire, une impulsion par radio et le cerveau réagit normalement. Que les âmes sensibles ne s'émeuvent pas. Félicette est si bien entraînée que son équilibre électrique, sa respiration, son pouls, rendu visible sur l'oscillographe, ne varie pas. On l'a bien choisi, Félicette, car la moindre réaction de terreur, de crainte, l'eût fait éliminer. Les signaux reçus auraient été illisibles. La pointe signale d'elle-même son point d'atterrissage. Bonjour Félicette, bon voyage. Dans les laboratoires du CERMA à Paris, le cône est rentré, porteur des instruments qui vont livrer leurs indications aux électroniciens. Il s'agit d'appareils enregistreurs qui ont voyagé avec le chat. Toute l'équipe est rentrée avec le promoteur des expériences françaises sur la vie dans l'espace. Même en général, un chat dans l'espace, ça sert à quoi? Ah, c'est toute une série d'expériences qui se déroulent. Vous savez bien que nous avons commencé par le rat et maintenant nous en sommes au chat. Nous avons pris ces animaux parce que c'était des animaux dont le cerveau était parfaitement connu des neurophysiologistes et que ça nous permettait de faire des enregistrements au cours des périodes de non-pesanteur, ce que nous cherchons à faire actuellement. Mais les autres envoient des hommes. Est-ce que ça ne fait pas un peu mesquin d'envoyer simplement des animaux? Non, parce que nous voulons faire certaines expériences de physiologie. Nous étudions actuellement l'orientation et l'équilibration dans l'espace. Nous voulons les étudier sur des animaux successivement de plus en plus importants, mais des animaux dont nous connaissons parfaitement le cerveau et les réactions cérébrales. Mais en général, vous explorez quand même un terrain original. C'est en France que pour la première fois nous avons transmis des courants d'action cérébraux. Ce sont des courants d'action qui sont extrêmement de faible intensité et par conséquent il faut des amplifications parfaites. Et jusqu'à présent on ne l'avait jamais fait. C'est pourquoi nos expériences ont été originales à ce point de vue. Et Félicette là-dedans, qu'est-ce qu'elle devient? Ah, Félicette, elle va bien. Elle se porte parfaitement, elle mange bien. Je crois qu'elle va très bien. Et voici une récompense bien gagnée. On n'a même pas l'air de se précipiter. On est vraiment une chatte bien élevée. Quant aux autres petits camarades, regardez-les bien. Un futur astronaute se trouve peut-être parmi eux.